Ça va bien? Bah moi j'ai fini ma semaine, hein. Lundi, mardi, mercredi, resto, et jeudi, vendredi, samedi, musique. J'ai déjà un jam prêt, hein. je vais l'envoyer. Hein. Je l'enverrai ce soir. Il y a 10 vues, mais c'est parce qu'en fait, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur dans mon montage. Alors du coup, bah, pour passer le temps, je me suis dit, tiens, j'ai regardé les plus vieilles vidéos que j'ai mis sur YouTube. Alors oui, elles datent tous du 24, hein, sur, du 24 mars 2001. Parce qu'en fait, je les ai importés le même jour, tous ces trucs-là, mais les deux premières, c'est celle-là, en fait. J'ai fait ça quand j'étais à l'hosto. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez. Donc, quand vous êtes à l'hosto, vous faites chier. Hein. Alors, c'était... j'avais le choix entre ça, et puis GarageBand sur l'iPad. Donc, je me suis amusé à faire des petites tracks comme ça. J'en ai fait plusieurs, hein, mais ces deux-là, je les ai postés. Alors, c'est pour... J'avais pas de clavier maître, rien du tout, c'est que du sample. Hein. Ceux qui utilisent GarageBand ou Logic Pro vont reconnaître hein, les Apple Loops qu'il y a dedans. Ah, je me suis dit, bon, allez, pour passer le temps, on va regarder. Si... Alors, elles sont non répertoriées, évidemment, je dis pas, elles sont pas répertoriées. Donc, en fait, si vous avez été fouiné sur la chaîne oui, qui a été créée en 2008, ma chaîne, mais en fait, non, c'est le compte qui a été créé en 2008. Comme un peu tout le monde, hein, pour regarder les vidéos, il faut avoir un compte pour pouvoir mettre des pouces ou pouvoir mettre des coms. Donc j'avais créé un compte, mais je n'avais pas mis de vidéo dessus. J'avais mis sur Facebook, et puis après je me suis dit, tiens, pour passer le temps, je vais faire une petite chaîne, où je vais déposer mes trucs dessus, puis ça, au moins je pourrais les retrouver facilement, parce que sur Facebook, pour retrouver ces vidéos, c'est pas évident. Hein. En plus, la qualité. Donc là, j'avais récupéré les vidéos, mais elles sont en 720p. Hein. Pas de la qualité top. Hein. Alors, il y en a une, c'est la toute première, là. J'ai réussi à récupérer le fichier garage, donc il y a toutes les pistes, hein, on va voir. Celle-là, non. Celle-là, j'ai récupéré que l'audio de la vidéo qui a déjà été exportée une fois que j'ai retéléchargé, que j'ai remis. Mais bon. Déjà que c'est compressé d'avance, parce que quand je me suis remis à la musique en 2020, surtout sur iPad, il n'y a pas beaucoup d'outils, hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc j'avais arrêté la musique je crois que c'était en 2005, quand je m'étais mis à mon compte, une entreprise d'informatique, bref, pour passer les détails. Et puis j'ai repris en 2020, suite à une grave maladie, comme je travaillais plus, enfin je suis maintenant, je travaille, mais je veux dire, c'est bénévole quoi. Moi, mes deux activités, c'est les Restos du Cœur et puis la musique. Alors j'en ai déposé quelques-unes à la SACEM, mais c'est là dans... Oh, c'est ça, non. Non, on va se marrer un peu. On va voir. Alors, celle-là, c'est... Alors, ça, c'était à l'hosto, et ça, c'est en sortant. J'ai fait une petite démo. Alors, je m'amusais avec Core Gadget aussi à l'hosto, hein. C'était marrant. Pour ceux qui connaissent. Hein. Alors, fait pas... peu. Il y en a qui font des prods avec ça, je pense. Hein. Je pense. Moi, je vais faire un petit job. Hein. Écoutez, 2 minutes. Bah, ils sont non répertoriés, vous les trouverez pas, hein. Et celle-là que j'ai... celle-là, vous allez la retrouver, mais refaite. Hein. Manège. J'ai refait le mix et je l'ai remasterisé. Et c'est plus Manège, c'est Carousel maintenant. C'est pareil, mais c'est la même musique. Hein. Ah, c'est des jams pourris et tout, dans le noir. Hein. Pff, que dalle. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de vues. Hein. Normal, ça n'aurait pas. J'avais mis des liens sur Facebook, c'est qu'il n'y a que mes potes hein, qui regardaient. Et puis, encore, la famille s'en fout carrément. Alors, avant de débriefer ces deux-là, on va s'écouter un petit peu le... La démo du Core Gadget. J'aimais bien ce truc, hein, j'aimais bien. On va rigoler un peu. Attention. Hein. Amoots TV. Pas terrible.
iPad, c'est sur la Switch. Et j'ai plus ma Switch, c'est pour ça que je... Ah, je m'amusais bien sur la Switch. Hein. Sur la Switch et le synthé là sur l'iPad, c'était Sat One. Je l'ai encore, Sat One. C'est un super synthé, hein. Il est gratuit. Si vous voulez le lien, je vous donne. Ah non, bah, c'est pas la peine. Vous allez sur l'App Store, vous tapez Sat One. Ils font des super synthés gratuits. Je sais plus le nom. Ils font plein de petits synthés super intéressants. Ils font des émulateurs de synthèse de console, en fait, comme la Mega Drive, le Super Nintendo, la Nintendo, NES. Donc ceux-là, je les ai téléchargés. Hein. Bon, on va d'abord ouvrir Nitro, la deuxième. Là. Voilà, un peu, on va écouter le son d'origine et puis après, je vais essayer de faire quelque chose, mais ça, comme c'est compressé. Alors ici, alors j'avais déjà commencé un peu le boulot. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Alors on voit que c'est compressé. Hein. Et puis, quand je me mets en... Ça, je vais me mettre en préfadeur. Comme ça, vous allez voir le son d'entrée. Là, que je tape à zéro déjà. Alors, pour masteriser ça, c'est pas possible. On peut pas. Ah, j'ai fait quelque chose, mais c'est pas. Ça se fait pas. Quand je baisse, on voit toujours le niveau d'entrée du préfadeur. Ça, c'est bien pratique quand on enregistre de l'audio. Il y a des dos qui le font pas. J'ai marqué remaster, mais comme vous avez vu, c'est déjà compressé. On peut pas masteriser ça normalement, c'est pas possible. Hein. Donc en EQ, j'ai refait un léger EQ ici, hein, basé sur Final Mix Dance. Hein, j'ai bougé un petit peu, hein, léger. Hein. J'ai rajouté un bus ici, un spread, pour essayer d'élargir un peu la stéréo dans les aigus, hein, et puis les hauts médiums. Et j'ai réglé le bus ici, j'ai fait ça à l'oreille, hein, casque. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors sur le channel EQ ici, j'ai fait un cut-off qui va monter comme ça. Voilà. Enfin, une montée un peu plus. Ouais. Enfin, bref. Hein. Un petit truc. Quoi. Après, sur la master, j'ai mis un limiteur pour ajouter un peu de densité. Donc, j'ai pris le Hot Density. J'ai réglé un peu le gain. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai baissé carrément le préfadeur. Ah, le fader, en fait. Enfin, le préfadeur, parce que le préfadeur, on peut pas changer le son s'il est saturé. On peut pas. Donc, j'ai baissé ici le son. Ah, j'ai mis moins 12, hein. Moins 12, 6. Pour entrer dans le limiteur et ajouter un peu de densité. Donc, en fait, je baisse pour remonter après. Bon, c'est, hein,
En fait, c'est parce qu'après, vous voyez, il y a du. Ah, il y a un peu de. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Bon. On arrive à gagner un peu de dynamique, hein. Un petit peu. Un petit peu, hein. Et puis dans Ozone, hein, j'ai utilisé les outils, l'égaliseur, hein, les procédés. Parce qu'en fait, vous verrez, il y avait un cut ici. Hein. Quand on regarde l'original, ici, il y a un trou à partir de 17 000. 15, enfin, 15 ou 17, il y a un putain de trou. Je sais pas pourquoi. C'est à l'export. Ou peut-être parce que, en fait, c'est des vidéos que j'ai récupérées sur Facebook et puis qu'après, j'ai re-uploadé, que j'ai re-téléchargé. Alors peut-être que ça compresse, peut-être c'est ça aussi. Peut-être même sûr. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait sur Ozone? Alors j'ai pris un ton match EDM. Ici, égaliseur, j'ai monté là. L'imageur, j'ai pas touché. Si, j'ai touché un peu ici. J'ai touché léger parce que la stéréo elle était pas. Hein. Bon, les huiles, je le laisse travailler tout seul. Hein. Et puis dans le maximiseur, bon, j'ai fait au mieux. Hein. Voilà. Donc on va écouter ça. Puis après, on verra avec l'autre. L'autre, ça sera plus intéressant parce que j'ai réussi à récupérer toutes les pistes. En fait, le fichier garage, celui-là, je l'avais mis sur le cloud. Donc j'ai pu le récupérer. Tandis que Nitro, je l'avais laissé sur l'ancien iPad et quand j'ai tout effacé, j'ai oublié de le mettre sur le cloud, celui-là. Le cloud. Et voilà quoi. Donc je l'ai plus. Donc j'ai. Voilà. Donc on va se regarder ça. Je vais agrandir un peu l'image. Avec un son un peu plus. Je pourrais dire plus dynamique. C'est un peu plus clair, déjà plus clair. On va dire, parce que avec le sprint stéréo, c'est déjà mieux.
La vidéo, je l'avais fait. La musique, je l'ai faite à Ousto, mais la vidéo, je l'ai refaite en sortant avec mon vieux PC sous Linux, avec un logiciel gratuit de Linux, c'était bien. Mais assez lourd, quoi. Puis mon PC, il ramait, quoi. J'avais pas le Mac encore, hein. Le Mac, je l'ai acheté bien après. Le Mac, je l'ai que depuis un an seulement. Donc, ça me permettait de récupérer mes fichiers garage, en fait, hein, avec Logic, hein. Logique, c'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime bien. J'ai utilisé beaucoup Cubase, hein, une dizaine d'années. Hein. Après, j'ai tout testé, hein. J'ai testé Fruity Loop, j'ai pas aimé. Pour Apple Red Reason, c'est super, mais putain, c'est une usine à gaz. On peut pas tout faire. Hein. Pour l'audio, c'est pas génial. Après, pour tout ce qui est musique électronique, tout ça, c'est bien, Reason. Ableton Live, j'ai pas accroché du tout. C'est austère, j'aime pas. C'est grasse, hein. On va mettre de l'huile, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Ouais, puis après tous les trucs qui étaient à la mode, Studio One, tout ça, bah, j'ai pas accroché non plus. On peut utiliser aussi comment? Les grilles, hein, comme dans Live. Hein. Là, il n'y en a pas apparemment. Ah non, je peux pas. Bah non, c'est un exploit ici. Sur l'autre, on va aller voir. On va voir la grille. Alors que j'avais mis Creative Commons, j'avais de l'espoir avec ça. Alors, puis ceux qui utilisent Garage et Logic Pro, vous avez reconnu les Apple Loops, hein, qui est là-dedans. Il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Sauf quand j'étais à l'hosto, j'avais pas de clavier, il n'y avait rien. Qu'est-ce hein. qu'il veut faire? C'est pas évident. Hein. Puis je reprenais seulement la ZIC, hein, au bout de 15 ans. Ça commence à venir. Le mixage, c'est dur. Hein. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Une fois qu'on a fait une bonne prise de son, ça va. Moi, j'utilise beaucoup d'instruments externes. Bon, là, vous ne voyez pas tout, mais. J'ai 1, 2, 3, 4 Analo, un OF2, une Akai Force, un Texture Lab. Là-bas, il y a un vieux truc Roland, un vieux arrangeur que je vais certainement vendre. Là, j'attends Bob Morris là, pour un jam. On va faire un jam avec pour terminer une vidéo. Alors, on va voir la deuxième. Ça va être un peu plus intéressant. On va voir les erreurs, les conneries que j'ai fait, quoi. C'est pas des conneries, mais il y a rien de fini. Puis je vais exporter comme ça. Live. Ah, c'est là je l'ai. Alors, live. Ouais. Parce qu'en fait, je venais de me faire transplanter là, et je me suis réveillé vivant. J'ai commencé à bosser un peu dessus. Hein? Je vais ouvrir la séquence de la vidéo pour voir l'original. Hein. On va le mettre en solo. Ça, c'est donc la vidéo avec le son original. Ah, c'est la première piste ici. S'ouvre hein, quand même. Hein. Alors, je vais mettre la vidéo ici en haut à gauche. Et puis voilà, donc je vais le mettre en muet maintenant. Et tout le reste normal. Donc celle-là, limitée. Alors ce que j'ai fait, celles qui sont rouges, j'avais déjà travaillé dessus. Alors la batterie. Alors ce qu'il faut faire, ouais. Alors quand on récupère un dossier, un projet comme ça de garage, il faut faire du nettoyage. Comme là, regardez, il m'a mis automatiquement, il m'a mis deux bus, un écho, un reverb. Alors ce que je vais faire déjà, je vais les enlever. Hein. Aucun module. Là, je vais pas mettre de nom. Voilà, bus 1, bus 2. Je vais les enlever. Ici, alors il vous met des guettes partout.
Alors ici, je l'ai laissé sur la basse. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais sinon, tout le reste, je vais l'enlever, hein, aucun module. Le guette, ça peut servir parfois pour faire des effets, mais honnêtement, sur des VST, ça sert quoi? Ça sert pas. Alors, il y a un compresseur, un channel EQ, il m'en a mis deux, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire un nettoyage. Moi, j'aime bien quand l'EQ est en entrée. Hein. J'aime bien traiter mon son avant de mettre quoi que ce soit dessus. Après, chacun fait comme il veut. J'ai essayé un channel EQ. Pourquoi il m'en a mis deux, je ne sais pas. Pourquoi il m'a mis des compresseurs partout, je ne sais pas non plus. Honnêtement, les compresseurs ici, je vais les enlever. On verra après. On va faire un peu de nettoyage. Ah, ici, je vais mettre pas d'envoi. Pas d'envoi. De toute façon, il servait pas. Pas d'envoi. Et vous avez vu que bon, ici, j'ai commencé à bosser dessus, j'ai mis des EQ. Et sur les autres pistes, j'ai mis aucun EQ, tout est plat. Déjà. Ça se fait pas. Ah, j'avais fait des pans, mais les pans, ils sont pas en panorama stéréo. Ils sont en balance. Ce qu'il faut pas faire. Quand on a une piste stéréo, il faut mettre en panorama stéréo. Alors on va le faire tout de suite. Voilà. Ici, non, c'est la basse, j'allais sans mono. Elle était panée comme ça, hein, d'origine. Alors je la remets sur zéro. Voilà. Voilà, drum pareil. Les samples, les Apple Loops sont déjà de bonne qualité. Ici, j'ai peut-être rajouté, je sais pas. Je vais essayer de voir avec un petit chorus. Un ensemble, ouais, un ensemble double en screen, symphonique, sound voice, string, on va voir un peu ce que ça donne avec ça. Ce que ça donne avec la batterie et la basse. Le reverb me plaît pas trop. Est-ce que j'ai des trucs pour les guitares? Chamber, guitare chamber. Hop, on va essayer ça. Et pas de machin comme ça. Les auxiliaires, je vais les baisser un peu aussi. J'ai rien. Le mixage pop, apparemment. Pour le visage vite fait que j'ai fait, apparemment pour la pop ça marche, parce que dans la courbe, on est dedans, c'est bon. Ouais, bon allez, on va regarder cette vidéo. Bon, c'est fait avec des gifs, hein, des trucs gratuits que j'ai chopés sur Pexel ou je ne sais plus. Je sais plus. Il y a des gifs, il y a un peu de tout, c'est. Ah, c'est du bricolage, hein. Voilà. C'est là que j'allais se muette.
Et puis, bah, on va voir ce que ça donne, hein. Entièrement. Normalement, ça devrait sonner un peu mieux. Et puis, on va se quitter là-dessus. J'en ai fait des pires que ça, hein. Je les ai pas mises. Ah, je les ai pas réexportées, celles. J'avais fait des trucs pour Halloween, des trucs débiles, déguisés en la nonne. C'était horrible. Je les ai pas mises. Allez, on va se quitter là-dessus.